Une ovation, mesdames, messieurs, à mon camarade Vincent Cerutti. Bonjour, la femme, bienvenue, welcome. Ça va, tu veux danser, Jean-Philippe? Oui, je veux bien danser avec toi. Ouais. Mais, tu sais, je suis pas très. Tu vas dans le tuto. Salutpublic.fr, on se retrouve eh bien, dans la vidéo qui va suivre pour parler du meilleur de la musique, d'RFM et de ces interviews VIP que j'aurai le plaisir de vous présenter. Ce sera le vendredi soir en direct de 19h à 20h sur RFM. Ça fait toujours cliché quand on parle de grande famille, mais c'est vrai que c'est une famille, une belle famille, la famille RFM. Et gentillesse, proximité, musique et bonne humeur. Et les infos donc, qui vont passer par les interviews VIP dont je vous parlais. Vous dites que RFM, c'est une station où ils sont tous gentils. Ouais, mais c'est vrai. C'est à votre image aussi. Je suppose que vous aussi, vous avez ce profil-là. Vous en pensez quoi? Vous, j'ai l'air désagréable ou pas? Genre idéal. Mais c'est marrant cette notion de genre idéal. Pourquoi genre idéal? Parce que vous avez tout. Et vaut mieux. Mais en même temps, les gens qui ont la réputation d'être des genres idéaux sont des gens qui ont duré dans, dans leur carrière, que ce soit le cas pour Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker. Alors si vous me classez dans la famille genre idéal, ça me va bien. Hein, ça veut dire que dans 40 ans, on est encore là. Voilà. Vous allez recevoir aussi, je suppose, beaucoup de lettres. Oui. Aux auditeurs. Vous allez faire face à toutes ces auditrices qui vont vous faire des déclarations d'amour. Je réponds toujours en retard, mais je réponds toujours. Voilà, donc je répondrai. Mais le plus simple, c'est Twitter. @Cerutti officiel, vous m'envoyez vos petits messages et j'y réponds évidemment. Justine Fraioli a eu une demande en mariage et a Ouais. Une robe. Mais oui. Est-ce que vous pourriez aussi faire une demande en mariage à une animatrice? Mais non, parce que moi je suis déjà très heureux dans mon couple, donc tout va bien, je ne vais pas déclarer ma flamme à une animatrice puisque j'ai déjà mon amoureuse à la maison. Eh oui. Reparlons-nous dans le courant du mois de janvier, j'aurai plein d'autres choses à vous raconter, d'accord? On fait ça? Ok, on fait ça. Merci public. En tout cas, bonne rentrée, hein. On va vous suivre. Eh bien avec plaisir, à très bientôt. À bientôt. Au plaisir de vous lire, ciao.